Culture. Linda Tamdari, bonjour. Bonjour Soraya. Ça va ce matin? Oui, en forme. Très en forme. Alors, ce matin, il sera question de musique, d'exposition. Nous avons déjà pour ce week-end et pour ceux qui souhaiteraient retrouver donc de la musique et la musique andalouse, c'est ce vendredi 26 janvier, à 16h au niveau de la salle Ibn Khaldoun. C'est l'établissement Arrêt Culture qui organise cet événement. Et puis, c'est l'association El Fen El Jamil qui sera à l'honneur. Et puis, nous avons aussi la librairie d'El Biar, qui est une très très ancienne librairie qui se trouve au niveau de la place Kennedy, qui est assez mythique, qui a vraiment un charme. Elle a un charme, c'est voilà, ça, elle oui. a une histoire, elle oui. a une âme. Cette librairie, elle recevra donc Ahmed Ben Kamla ce samedi 27 janvier à 14h. Et nous avons également la galerie El Kenz de Madame Zahia Guilimi qui reçoit ce samedi Amina Hmouten, qui est donc passionnée par la sculpture des personnages, et elle exposera donc ce samedi au niveau de la galerie El Kenz. Voilà pour ce qui est de nos petits rendez-vous. Hein, ça commence, on commence à reprendre quelques rendez-vous culturels et ça nous fait donc chaud au cœur de retrouver un peu ces rendez-vous. Et la scène et tout ça, bien sûr, les musiciens qui ont besoin aussi de travailler, il ne faut pas les oublier. Voilà, exactement. Et tous les autres artistes, donc voilà, bah merci beaucoup. Et donc tout à l'heure, à 9h pour le 100% culturel. Merci à vous.